3. Tendu. Allez, c'est parti, petite session, week-end de fermeture. On va essayer de prendre quelques derniers poissons avant la fermeture de la première catégorie. On est le samedi, on va se faire un coup du soir. Je suis avec un abonné, avec qui je n'ai pas voulu venir. Et on va essayer de faire quelques poissons. Ce matin, c'était pas concluant. Regarde, même là-dedans, je... Ah, c'est une écrevisse? Non, c'est pas une écrevisse. Là-bas, là. Non, c'est pas une écrevisse. Enfin, même dans ce petit ruisseau, il y a plein de trucs. À chaque fois qu'on passe, là, ça part. Il y a une truite? Tu vois, ça m'étonne même pas. Regarde là, tu dandines s'il faut. Ouais. Dans la rien d'eau là. Là, on peut descendre juste là derrière. Après, là, il y a toute une zone avec des petits courants très faibles, comme ça. Et après, on va arriver avec des zones avec des courants un peu plus forts et des plus gros trous. Là où il y a plus de chances de faire le poisson, quoi. Ah, ouais, c'est possible. Ah oui, en général, elles font 15-20 cm dans ces petites zones-là. Hop là! Tu l'as vu? Eh ben non. Eh, pas piqué. Elles adorent ces petites zones à ras du bord comme ça, sous un arbre, avec du courant à côté. C'est vraiment. C'est vraiment les zones où on en fait réagir beaucoup. La lance devant, en revers là. Voilà, là t'es bon. Ah, elle est plus derrière. Attends, même sans les lunettes, je l'ai bien vu, elle est sortie derrière. Là. Oh putain. C'était elle? Je l'ai pas vu moi. Je l'ai pas vu non plus, alors c'est vrai que je... Parce que je me pose aussi comme question, si t'as pas coupé le caillou. Ah putain, mais... Galère hein. Vas-y, fais-toi plaisir dans ce trou là. Il est juste au bout de la branche, c'est cool qu'il arrête pas à jouer. Je la voyais bien là-bas dans le trou. Ouais, mais elles sont pas évidentes ici. Elles sont parfois à des endroits où tu t'y attends pas vraiment. Oh oui. Ouais. Elle est pas vilaine hein. Mais non, elle est carrément belle. Elle est pas vilaine elle du tout. C'est 30 elle hein. Hop, elle regarde ses points. Elles sont super belles. Ouais. Hop là. Ouais. Ils ont des putains de beaux points rouges. Ils ne sont pas calmes. Ça va aller. Ouais, elle fait les 30. Elle fait un petit 30, ouais. Elle doit faire un bon petit 30. Elle était là. Ah oui, oui. Ah. Voilà. Ouais, Jean. Hop là, elle est repartie. T'en auras au moins vu une de cette rivière. Maintenant à toi. Alors, tu vois, elles sont... Je t'avais dit que ce trou, il y en avait des jolies. Et on a vu plus gros ici. On a vu suivre plus gros. Là, en général, il y a les truites au repos en fin de poule. Là. Mais elles peuvent taper parfois. Ouais. Faut pas être mauvais. Ouais, parce qu'elles te voient de loin là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fond après. Oh! Ouais. Allez, prends! Il y en a plein! Il y en a trois! Il y en avait 4-3! Il y en avait 3 sur. Elles sont toutes là, ouais. Hop là, fais demi-tour! Oh, elles sont fada là!
Hop là. Allez, prends. Connasse. Elle est revenue en plus sur ton leurre. Hop là, elle est derrière ton leurre. Il y en a deux qui elles sont petites. Hein. Ouais, mais elles sont vénères. C'était elle qui avait gobé. Hein. Mais bon. Par contre, dans ce trou-là, il y a ma mère. Voilà. Ah, bien. Il est pitchoun. Mais la crevette. Ah, tu lui as mis un ferrage, la pauvre. Elle est sortie de l'eau. Oh merde. Ouais, ça arrive. Ouais. Bah toi, tu seras... Non, la prends pas par la gueule, pose la chose sur ta main. Ouais, la dipeuse bien rouge. Ouais, là, la souvent, ouais. C'est... Vas-y, remets-la, la peau. Ouais, bah ça tire. Hop. On va repartir là. Allez, tire. Cool. Bah voilà, ça y est, t'es plus capot. Pas la taille de la tienne, mais ouais, c'est une petite. Oh merde. Ouais, c'est pour ça que je préfère pêcher, vu que c'est des petites, avec des freins bien plus desserrés. Quitte à avoir à le resserrer au dernier moment. Mais... J'ai peur, ouais, de leur faire mal. Ah oui, là c'est vaseux, tu peux y aller. Regarde le méthane qui remonte là. Oh, oh, oui. Elle est belle. Un des gigotés. Elles sont super jolies. C'est point cason. Putain, j'avoue, là, deux jolies fiches. Quoi. Pour une petite, oh, putain, mais bien. Pour une petite rivière. Ah, non, mais ça, c'est la taille moyenne. Hein. Enfin, c'est la taille moyenne supérieure, on va dire. Hop. Ouais, le haut de la moyenne. Voilà, le haut de la moyenne. Le haut du panier. Toi, t'as fait la moyenne petite. En fait, tu prends l'intermédiaire de nos deux truites, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Okay. Voilà. Là, moi, c'est vrai que j'ai fait deux jolis poissons. Après, je l'ai vu tourner autour, hein, avant qu'elle je la pique. Hein. Oh, ça pue. Ouais, bah là, je viens de me... T'as pas vu le nombre de bulles qui sont parties, hein. Oh. À la fois, j'ai envie, je meurs d'envie d'y faire un lancer, mais à la fois, j'ai envie que tu le pêches d'abord. Vas-y, vas-y. C'est un poisson là. Poisson. Ah, je t'avais dit là. Pour ça, je voulais que t'en fasses une. Hop là, décroché. Alors là, fais gaffe, c'est bon, t'as de la chance. Ça, c'est vraiment le genre de zone à pêcher au souple. Juste là, l'enculé. C'est les faisans. Hein. C'est les faisans. Tain, il s'est pas visé, hein. Regarde, c'est beau, l'eau qui sort sous les cailloux là. Ouh, ça glisse. Hop, c'est derrière. Il y en avait deux. Hop là, il y en a deux. Les deux petites qui se battent étant leur. Et le pire, c'est qu'elles sont. Elles sont. Hop là, voilà. Hop là, ah, doublé. Oh, décroché. Ah. Magique ce doublé. Ah, il était joli ce petit doublé. Franchement, marqué. Ça fait plaisir. Ah ouais, c'était derrière. Putain, ils ont pas peur. Ah non. Mais non, elles font la taille du vent. Ah ouais.
Mais là, on vient pas pour pêcher des spécimens. Hein. Non. Mais au moins, c'est... Voilà, c'est, on vient pour s'amuser et faire des jolis poissons. Le cadre. Et le cadre, t'as vu, c'est trop beau, quoi. Après, je t'ai emmené vraiment dans un endroit joli. Il y a des zones qui sont moins jolies. Il y a du poisson, hein, mais c'est moins... Ça donne moins envie, quoi. Et comme elles sont dans les courants, je préférais venir sur ce secteur. Il s'entraîne ou quoi, le mec? Il y a 50 faisans ou quoi? On va se prendre du grand truc. Et déjà, c'est un fusil. Non, c'est pas un fusil. Il a pas mis longtemps pour le recharger. Non, mais il a un combien de coups, le mec? Waouh, celle-là elle est belle. Celle-là elle est belle déjà. Ah. Yes. Regardez avec cette petite cuillère. Hameçon simple sans ardillon. Hop, elle est décrochée. Oh, elle est zébrée et tout. Hop. Prends une petite photo si elle part pas. Allez, on repart. Yes. Ça fait plaisir. Allez, là on a changé de secteur parce que ça mordait pas vraiment. Après on a voulu aller sur un autre, il y avait des pêcheurs partout, donc on s'est rabattu sur un autre coin, une autre rivière. Et puis on va voir ce que ça donne, en espérant qu'il y ait quelques poissons de sortie. Que soit un peu plus piquant, un peu plus énervé. Oh, la truc qui est passé. J'ai fait peur à une autre huître, elle était grosse. Ah, oh, fais chier. Hop là, loupé, hop là, j'ai. Wouh! À décrocher. Yes! Hop, il y en avait une autre. Oh, il y en a plein. Bien. La première.
La première d'une bonne série, j'espère. Putain, c'est point qu'elle a. Ouais. Allez, viens là. Bien sûr. Elle déteste quand on les touche, c'est un truc de ouf. Dans la joue, elle est curieuse. Bon, bah au moins, elle est pas blessée. Non. Oh bah. Voilà, tout seul. Voilà, pour petite lumière, petite femelle. Ouais, petite femelle. Bon, c'est rien. Non, c'est rien. C'est une toute petite blessure. Gigote pas. Putain, hier, j'avais pas vu, mais je me suis amoché dans un caillou. Je vois mon poignet. Ah ouais. Ouais, c'est la photo, histoire de quoi. Avoir du sang partout. Allez hop, rentre chez toi. Tchoum. Elle a pas demandé son reste. Non. Bien joué. Elle dit bien, sinon on commence à dire qu'elle sont pas au milieu, je l'ai pris en plein milieu. Là. Ouais, ouais. Au niveau du point un peu sur la touche.